design, c'est le lien qui comble l'écart entre une science, une technologie, pour en faire un produit pour des gens. Dit autrement, c'est le lien entre un dessin, une ambition et le dessin, la forme. Cette appellation est importante puisqu'elle relève de la définition historique du design. Enfin, le design, c'est ce qui fait la différence entre la nécessité et le beau et le bon. On pouvait dessiner des objets dans les années 60, aujourd'hui, bien évidemment, on design des services depuis quelques années. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les systèmes complexes, notamment mus par le numérique ou les nouvelles technologies issues de la science. Et ces systèmes complexes n'ont pas de forme naturelle, il faut les provoquer, les créer pour les rendre humaines. On ne peut pas échapper au corps, on ne peut pas échapper à nos sens. Donc le design d'aujourd'hui, c'est pas tellement adapter des formes à des fonctions, c'est créer des formes pour des systèmes.